that odd little man Einstein has provided the allies with a device that harnesses the energy from storm clouds overhead. Almost whimsical, but effective. Destroy this device. Bien, commencer en plein dans les nuages. Oh la météo. Oh la météo pourrie. Je descends sur A. Je descends sur B. J'ai failli bouffer le sol. On est dans la crache jusqu'au sol. Ouais. Bon, au moins, nos chars, ils vont pas avoir trop d'emmerde pour se planquer. Hein. Ouais. T'imagines quand ils auront implémenté vraiment le sol effectif. Espèce de gadou que ça va faire, le mot il va s'embourber là-dedans. Ouais. Déjà que sur le serveur dev, quand tu vois des espèces de cratères de 5 mètres qu'il laisse derrière lui... Vous êtes parti? Je crois que j'ai croisé un méchant, mais je suis pas sûr. On voit vraiment rien. Oh mais laisse tomber, c'est... T'as trouvé quelqu'un? Non, sérieusement, les pilotes ils avaient le droit de voler par ces conditions. Ah non, oui. Enfin, on les envoyait pas. Par contre les vols stratégiques qui étaient beaucoup plus haut en dehors de ça. Enfin même les bombardements stratégiques ils s'étaient annulés à cause des nuages, hein, mon vieux. Ouais, je sais. Ouais, mais enfin c'est des missions comme ça qui ruinaient le moral. Ah bah c'est sûr, hein, tu vois pas à 2 mètres. Je suis obligé de rester près du sol pour essayer de me repérer, mais... Anti-DCA, je le vois. Non, je suis pas près du sol à ce point. Ça, c'est assez plat comme carte celle-là. Je crois que je vais rester au-dessus du lac, hein. C'est la seule surface à peu près. Hein. Ah mais c'est pas un lac, en fait c'est un champ. Là. Et t'es pas loin en plus, mais je sais pas où t'es. Hein. Bah, je trouve pas la ville quand même. Ah ça y est, elle est là. Avec la pluie. Ah attends, il y a les tirs de DCA. Ça signifie qu'il y a quelque chose dans ce coin. Oh, il y a un mec qui fume, je sais pas ce que c'est. C'est un... Ça tire dessus. Ouais mais c'est un Allemand. C'est un... Sure. Ouais, c'est un 109 en camo neige. C'est celui qui vient de se cracher. Cake. J'entends un bruit de moteur. Ouais, attends, il y a un mec qui est juste à côté de moi. Oh putain, non. Ah si, c'était un 109 avec une bombe sous le ventre. C'est moi. Sur du spawn, du point de cap adverse. Ouais, on est pas passé loin. Oh. Non, c'est un Stuka. Tu fais du bombardement piqué dans une map pareille. Hein. Ah, c'est vous deux là, au fait, j'imagine. On s'est engagé par quelque chose. La DCA, quand même. Vous pouvez la tirer à nouveau, j'irai straffer dessus ou il leur game bomb. Mais... Ouais, je dois la survoler là après. So, weiter. Und was ist los mit dem Funk? Worried about the German army. We got enough troubles of our own. To the right, General Patton. To the left, the British army. To the rear, our own goddamn artillery.
And besides all that, it's raining. And the only good thing to say about the weather, it keeps our air corps from blowing us all to hell, because it's too lousy to fly. We stay? Les trucs par les... mais pas la DCA, les trucs sur lesquels tu passais, c'était les chamans. Bon, mais là c'était du 37 mm que j'ai vu, c'est pour ça que j'ai pas réagi. Deux chamans. Il y a un KV2, hein. KV2 dans ton deuxième chaman, hein. Bah, c'est mieux. La bêche, j'ai pas vu, j'ai juste vu Lost Wind. Seul là. Vraiment. Il y a un bruit d'un truc gros là. 10 moteurs. Mais ça ressemblait pas au bruit du des Mercedes-Benz. Non, ah oui, je vais te poser quelque chose. On va me réinviter, hein. Je suis désolé, j'ai eu un crash prénommé William, âgé de 13 mois. Il a trouvé l'interrupteur. Ah, il a mis les doigts dans les prises. Ah non, il y a un interrupteur lumineux. D'habitude, il fait reset. Bah, il y a toujours un bimoteur dans le coin. Hein. C'est bizarre parce que le bruit de moteur fait plus britannique que russe, mais. Hein. Les britanniques non. Non, il n'y en a pas dans la partie. Mais quel temps de merde. C'était peut-être en revanche un Avenger, je sais pas. Même si ça m'étonne puisque les Twin Wasp ils font un bruit pareil caractéristique, même dans le jeu. Je vais finir par me poser dans un champ et regarder ce qui passe au-dessus de moi. Hein. Oula. Tu te poses, je crois que tu risques plus d'être. Il y a un truc derrière moi. Et en franchement, je crois que c'est pas 109. Putain, il a disparu dans la crasse déjà. Oh, mais... ah ouais. La crasse, elle est à 100 mètres. Tu m'étonnes qu'on dise qu'il n'y pas dans la. Et pourtant t'as vu la lumière hein, à mon avis elle doit pas être très épaisse cette crasse hein. Crasse ? Le plafond doit être 1000 mètres ou 1500 peut-être hein. Ça dépend hein. J'ai vu des cartes qui étaient vraiment plongées dans le noir alors qu'il faisait jour au-dessus hein. Et il y avait 3-4000 mètres de nuages. Alors que sur les quand t'es proche de la lumière tu vois clairement la différence. Heureusement qu'il n'y a pas les brosques devant, hein, modélisé. Hop, 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 reviens par là, mon vieux. Top, moi je me suis posé et je reviens en chat. C'est bizarre. Ouais, c'est encore... c'est un... un 109 blanc. Bon, il aura bien choisi son camo en revanche. Hein. Ah, tu vas te prendre la... Existe plus la foudre dans le jeu. Foudre, pardon. Il me semble qu'elle n'existe plus, si je dis pas de bêtises. En plus même au sol avec le brouillard c'est pas... Il y a la foudre, c'est vraiment pas loin les uns des autres.
Ha 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 ha!